Bien-aimés frères, bien-aimés bien bien sœurs, bien chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne de la série. Cet évangile du royaume sera prêché. Le livre 5 qui a comme titre la fonction de l'Église sur la terre. La semaine 3 que nous allons étudier a exactement le même titre, la fonction de l'Église sur la terre. Et je vais lire un verset. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, en quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Pour parler de la fonction de l'Église sur terre, c'est ce texte que nous allons utiliser comme base. Et nous avons aussi euh, le sujet de la lumière. Cette semaine, nous allons traiter celle de la Terre et la semaine prochaine, nous allons donc euh, voir le sujet lumière du monde et aussi bien d'autres richesses. Avant d'aborder le thème de la semaine, l'auteur, notre bien-aimé frère Pedro Dong, lundi, il nous a aidé à voir que notre origine, c'est le ciel. La nature et l'origine de l'Église est céleste. Donc nous sommes d'en haut, de là-haut, nous ne sommes pas de la terre. Nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas d'ici. Donc Ephésiens, chapitre 2, verset 6. Cela nous aide à voir où nous sommes exactement aujourd'hui et sur quel plan nous devons vivre. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en hein, Jésus-Christ. Donc lorsque Christ est mort à la croix, nous sommes morts avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité, nous aussi sommes ressuscités avec lui. Nous qui croyons au Seigneur et qui avons été régénérés. Il nous a donc amenés vers les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est là notre lieu. Le frère nous a rappelé que nous sommes un petit troupeau mentionné dans Luc 12. Et il a plu à Dieu de donner à ce petit troupeau les trésors. Nous sommes aussi les travailleurs de la dernière heure de Matthieu 20 et l'église à Philadelphie, car c'est une église qui, est, qui a une condition qui est totalement en accord à la volonté de Dieu, qui préserve le nom et la parole, et qui a une porte que personne ne peut fermer. Au-delà de cela, nous avons vu que nous sommes la femme virtueuse en formation qui est mentionné dans Proverbe, chapitre 31. Ce sujet de la femme virtueuse est très riche. L'auteur dit, Dieu espère que nous parvenions à la condition de la femme virtueuse de Proverbe 31. La femme virtueuse. Je vais lire le verset 10 à 13 dans la version King James actualisée, qui dit ceci. Euh, « Femme virtueuse » Qui peut la trouver, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de la vie. Elle parcourt, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est très bien que Dieu puisse trouver sur la terre un groupe de personnes dans son église en qui il, a, il peut placer sa confiance, qui prenne soin de ses affaires avec joie, avec fidélité, et des personnes sur qui il peut compter. Nous devons être ces femmes virtueuses. Ici, au verset 11, il dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Lorsqu'il nous charge d'une mission, maintenant en parlant de l'Église, lorsque le Seigneur nous... Confie une mission, soyons comme cette femme, ne fuyons pas et cherchons à accomplir cela immédiatement. De cette manière, Dieu aura confiance en nous et la misère ne viendra jamais à notre porte. Il est important que le Seigneur ait un groupe de personnes sur qui compter ici sur terre. Je voudrais faire partie de ce groupe. J'espère que vous aussi. Alors, cette église, c'est cette église qui est désirée par Dieu. Le petit troupeau. Les travailleurs de la onzième heure, c'est-à-dire que notre temps est déjà achevé. On conclut l'ère, l'église à Philadelphie, et cette femme vitueuse en formation. Mardi, nous avons le verset 18, parlant de la femme vitueuse il dit Elle sent ce qu'elle gagne, Est bon, sa lampe ne s'éteint point ne s'éteint point pendant la nuit. C'est-à-dire qu'elle accomplit un travail inlassable pour son mari. Elle gère avec tendresse toutes les choses de sa maison. Que le Seigneur puisse avoir en nous aussi euh, cette attitude. Et mercredi, j'aimerais que vous lisiez cela avec calme euh, mardi. Maintenant, mercredi, on commence donc à traiter le sujet du sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Matthieu 5, 13, la partie A, nous avons lu tout le verset. La partie A dit ceci Vous êtes le sel de la terre. Si le sel venait à perdre sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oui, ça c'est la suite de ce verset. Donc, être sel de la terre, c'est un sujet qui est très précieux que l'auteur va traiter avec beaucoup d'allant et de tendresse durant cette semaine, car le sel fait la différence. Lorsque vous mettez du sel dans la nourriture, il donne, il lui procure une saveur merveilleuse à la nourriture. Ici, l'auteur dit Vous savez ce que veut dire celle de la terre C'est de faire la différence où que vous soyez. Rappelez-vous, nous sommes l'Église, le peuple du royaume des cieux. Nous sommes le sel de toute la terre. Alors, notre point d'action ne se limite pas seulement au, au, dans les locaux des réunions. On a l'habitude de croire que la vie chrétienne, c'est juste lorsque nous sommes ensemble avec les autres. Et là, on a une vie céleste. Mais donc, la circonscription de notre fonction est bien plus grande, car c'est sur toute la Terre, le sel de toute la Terre. Notre sphère d'action doit être sur toute la Terre. C'est pour cela que nous devons faire la différence. Tout comme le sel a la fonction primordiale de donner la saveur, nous devons faire la différence en quelque lieu que ce soit que nous nous trouvions. Donc, où que nous soyons, nous devons faire la différence. Dans le sens figuré, quelqu'un sans sel, c'est quelqu'un monotone, sans aucune attraction, qui ne fait aucune différence. Alors, devant cela, quelle a été ta posture au travail, dans ton école, au travail, à la maison? Est-ce que tu as fait une différence? Est-ce que tu as apporté de la saveur dans la vie des personnes? Nous, comme celles de la Terre, nous devons apporter la saveur dans la vie des personnes, dans notre maison, dans le voisinage, dans l'ambiance de travail pour ceux qui travaillent ou alors dans l'ambiance des études, dans les écoles, pour ceux qui étudient. Nous devons donc faire la différence dans ces différentes ambiances. Notre lieu d'action, c'est sur toute la Terre. Donc, est, ça, c'est très important. Il est important que nous percevions cela avec l'arté. Une autre manière de donner la saveur, c'est de secourir les personnes dans le quotidien, leur euh, proposant la prière, priant pour elles, en disant Puis-je prier pour vous C'est une phrase magique qui a changé la vie de plusieurs personnes et notre vie aussi. Car nous nous, quand nous nous proposons à prier pour des personnes, Dieu continue à accomplir son œuvre dans notre vie. Nous croissons, nous mûrissons. Et nous sommes édifiés, nous devenons le plaisir du Seigneur. Donc nous devons apporter de la saveur dans la vie des personnes. Une autre fonction du sel, c'est de conserver. Et je dis, nous voyons la condition des personnes au temps de la fin. Nous allons voir avec calme la situation des personnes au temps de Noé et au temps de Lot. On va jeter un coup d'œil de dans Luc chapitre 17. Comment était la vie de ces personnes? Ce n'est pas différent de ce qui, qui se passe de nos jours. Luc 17, verset 26, qui dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Nous arrivons déjà au temps de la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Pensez-vous pas que nous devons secourir les personnes qui vivent dans cette génération À cette époque-là, les gens ne prêtaient pas attention. À la parole de Noé, à la prédication de Noé, et ont fini par être emportés par le déluge qui les a tous fait périr. La même chose s'est passée au jour de l'autre. Ils buvaient, mangeaient, ce qui arrivait au temps de l'autre arrivera. Par arrivera. les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Une parole Il y a quelques paroles différentes par rapport au temps de Noé. Mais le principe est la même chose, c'est-à-dire que les personnes ne prenaient soin qu que d'elles-mêmes, de leurs propres nécessités, sans accorder aucune attention à Dieu. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, pour cela, bien-aimés frères et sœurs, nous devons prêter attention à la parole de Dieu. Non seulement prendre soin de nous-mêmes, mais apprendre à prendre soin des personnes, à leur porter secours. Verset 31, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit ou qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. C'est que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et ici, on a une phrase. On dirait que ça sort, ça vient de, de nulle part. Et dit souvenez-vous de la femme de Lot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Lot En remontant l'histoire, on voit que elle n'était pas contente de sortir de cette ville, de son confort et laisser toutes ces choses. Elle n'a pas supporté cela et lorsqu'elle a regardé en arrière, elle a été transformée en statue de sel. Et l'ange avait déjà pré pré prévenu la famille, mais la femme de Lot n'a pas obéi à cette orientation et est devenue une statue de sel. Nous pouvons prendre cette expérience de la femme de Lot et recevoir une aide à partir de cette histoire. Si la femme de Lot avait exercé sa fonction de sel à Sodome dans cette situation de ténèbres dans lesquelles les personnes vivaient, celle avait appliqué du sel dans sa vie pour éliminer toute corruption, toute mort, euh, tout et les ténèbres qui existaient et exercer cette fonction pour sauver les personnes. Certainement, beaucoup auraient été sauvés. Mais malheureusement, elle n'a pas profité de cette situation. Alors, au lieu que le sel soit quelque chose de bien pour elle, c'est elle qui est devenue une statue de sel. Alors, que le Seigneur puisse nous donner un cœur. Un cœur qui. Accorde de l'attention aux choses du Seigneur, aux choses de là-haut. Quitter la sphère de la terre, ne pas s'accrocher ici. Et dans le verset de 2 Pierre 5, il y a une portion qui parle de Noé. 2 Pierre 2, 5. Qui dit ceci, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé. Mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc, parfois, par rapport à la situation au jour de Noé, parfois on accorde plus d'attention sur les personnes qui n'ont pas, pas accordé de l'attention à ce qu'ils disait Mais on oublie Noé lui-même qui a vécu dans la présence de Dieu et qui a toujours désiré les choses de là-haut. Et, et, et parlant encore du sel, dans la production de l'encens sacré, dans Exode chapitre 30, Verset 34 et 35. Nous avons la production de l'encens. Et l'un des ingrédients, allons-y jeter un coup d'œil, c'est le sel. Ceci est très intéressant. Exode 34. Exode 30, pardon. Verset 34 et 35. L'Éternel dit à Moïse Prends des aromates. Du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Donc, cette euh, portion de la parole est très importante. Le Seigneur veut quelque chose qui soit pur et sain. Alors, ce sel élimine les impuretés, les germes de la corruption. C'est pour cela que nous devons être des personnes qui exercent leurs fonctions sur la terre. Donc, étant la réalité du royaume des cieux, l'Église a besoin du sel pour se maintenir pure, honnête, sincère et sans intérêt caché ou de manipulations humaines ou disputes politique Dans l'Église. Il n'y a pas de place pour ce genre de conduite. Nous devons être purs, authentiques, honnêtes et sincères. Notre vie quotidienne doit être aussi salée avec ce type de sel pour servir le Seigneur dans l'Église avec l'amour qui procède d'un cœur pur. 1 Timothée 1, 5. Nous avons déjà lu ce texte dans une autre occasion. Il parle d'un amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Ça vaut la peine d'avoir cette manière de vivre devant le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que l'encens sacré exhalait un parfum dans le sein des saints. Et un des ingrédients de cet encens, c'est le sel. pour pouvoir attaquer aussi les choses négatives. Et samedi, ce que nous avons vu, c'était vendredi, n'est-ce pas? Chercher les choses de là-haut. Donc samedi, dit que Christ est notre paix et notre joie. Samedi et dimanche, c'est une aide que l'auteur, notre bien-aimé frère Pedro donc nous, nous donne, c'est une aide qu'il nous donne pour profiter de la véritable joie qui est Christ, vivre comme, dans l'église comme réalité du royaume des cieux. L'église comme réalité du royaume des cieux est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint selon Romains 14, 17. Donc si j'ai une vie sous l'autorité de Dieu dans l'église, je n'aurais pas besoin, comme les gens du, du monde qui ont besoin des choses artificielles pour avoir de la joie, pour avoir du bonheur. Donc, il est important que nous observions cela. Je dois avoir la véritable joie et cela se trouve dans l'Église. Et en Christ, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il a dit Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jean 15, 11. Donc, nous n'allons pas être comme les personnes du monde qui cherchent des choses qui apparemment euh, nous apportent de la joie. Qu'est-ce que les personnes cherchent que nous voyons dans leur quotidien? Elles cherchent la joie dans la nourriture, dans la boisson, dans les accomplissements professionnels, dans la musique, dans les divertissements. Cela donne une apparente sensation de joie aux personnes, mais cette joie est très passagère. Elle est passagère, elle est temporelle et n'a pas de consistance. La véritable joie procède de Christ étant dans sa présence, vivant dans sa présence et dans la réalité de la vie d'Église qui est la réalité du royaume où se trouve le gouvernement de Dieu, où la volonté de Dieu est faite nous n'avons pas besoin de ces autres choses que le Seigneur puisse nous donner, ce sentiment de vivre chaque fois plus dans sa présence, dans la réalité de la vie d'Église sous son autorité. Et dimanche, au-delà de vivre sur la terre de manière adéquate, <coughs> ayant la véritable joie, le véritable bonheur, nous devons euh, secourir les personnes. Et pour cela, je dois me renoncer, renoncer à moi-même. C'est pour cela que le dimanche commence par le texte qu'on doit lire à cœur, qui dit :« si Celui qui veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à soi-même, prenne sa croix et qui me suive. » Donc, la posture que Jésus a adoptée pour nous secourir sur terre, c'est une posture de souffrance intense, sans murmure et sans, sans, sans plainte, sans se et, et, et malgré cela, il glorifiait le nom, il glorifiait le nom du Père. Il, est, il a connu toutes sortes de souffrances. Et il est mort à la mort de la croix. Et après sa mort, il n'est pas resté dans la mort, mais il est ressuscité. Alors, ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, c'est une vie qui nous amène à renoncer à nous-mêmes, à prendre la croix et suivre le Seigneur. Et nous allons expérimenter non seulement la mort, éliminant notre nature déchue terrestre, maligne et corrompue, mais nous allons aussi expérimenter une vie de résurrection et nous allons utiliser cette vie-là pour sauver des personnes. Alors pourquoi est-ce que je dois prendre soin des personnes? Je dois prendre soin des personnes, tout comme le Seigneur a pris soin de moi, il m'a secouru. Je dois aussi secourir les autres afin qu'elles aient la même chance, la même opportunité que j'ai eue. Et que je suis en train d'avoir. Et pour cela, donc, je dois renoncer à moi-même à tout moment. Vivant dans la restriction, renonçant à nous-mêmes, ne pas préserver notre vie d'âme, une vie en suivant le Seigneur, une vie crucifiée et tempérée de sel et assaisonnée de sel. Cette vie que le Seigneur a vécue, c'était pour engendrer l'Église. Et aujourd'hui, nous devons engendrer beaucoup d'enfants de Dieu. Cette euh, portion, ce passage du dimanche est très riche. Il parle de deux offrandes spéciales qui sont, qui sont faites dans l'Ancien Testament, dans le livre des Lévites. L'autre, c'est l'Holocauste qui représente une offrande le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous, pour nous racheter. Il s'est donné, il s'est consacré pour nous. Et l'offrande de nourriture qui qui est une offrande qui est produite à travers euh, euh, une, la farine qu'on qu écrase jusqu'à obtenir une fleur de farine. Tout le processus que le Seigneur a traversé, nous voyons cette offrande de nourriture euh, dans son humanité. Et dans cette offrande de nourriture, nous voyons aussi qu'il y a du sel. Cette offrande a aussi du sel. Et, cette observation est très intéressante car le sel, c'est l'élément qui apporte la saveur. Donc, dans notre vie, nous devons amener cette réalité aux personnes à travers cette phrase merveilleuse. Puis-je prier pour vous? Non seulement cela, mais cherchant à introduire les personnes dans la vie normale d'Église. La parole que le Seigneur nous a donnée est si riche que nous pouvons l'amener aux personnes. À travers les livres, on a des paroles très riches, l'Institut Vie pour tous qui disponibilise la parole en plusieurs langues. Vous avez accès à la parole, vous pouvez prendre soin des personnes, même dans d'autres parties du monde, pas seulement ici au Brésil, en utilisant justement cette parole merveilleuse. Mais pour cela, nous devons nous rendre compte que si je, n je ne renonce pas à moi-même, Dieu ne va pas pouvoir m'utiliser. Car le Seigneur Jésus est venu, il était un grain de blé qui est mort. Et pour cela, il s'est multiplié. Il n'est pas resté tout seul. Et le Seigneur veut faire en sorte que nous soyons aussi ces personnes. Le Seigneur veut nous donner une parole agréable. En fait, il est en train de nous donner une parole agréable, euh, assaisonnée de sel, afin que nous alimentions des personnes. Colossiens, euh, chapitre 4, verset 6. Et pour terminer. Esaïe 58, c'est un livre que notre frère Pedro a utilisé pour nous aider, pour recevoir beaucoup de lumière dans la parole. Il y a beaucoup de portions dans cette parole pour nous, pour nous aider. Et nous voyons donc comment se donner pour les personnes. Chapitre 58, verset 6 d'Esaïe. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Les gens pensent au jeûne religieux, mais le véritable jeûne, c'est celui-ci. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. N'est-ce pas ça le jeûne? C'est une question. Que le Seigneur l'éternel train de poser à son peuple. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Parfois, nous voyons des personnes qui sont dans le besoin et nous fuyons pour rester dans notre zone de confort. Alors, regardez ce qui va se passer. Si nous avons cette posture ou cette conduite adéquate, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gênera promptement. Et ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors vous voulez cela, vous voulez cette promesse que Dieu a donnée à son peuple, euh, à l'Église, à nous aujourd'hui. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra, tu crieras, il dira. Mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le jour que les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Quelle chose merveilleuse Ça donne envie de continuer à lire cette portion, ce passage. Mais ça, c'est le résultat d'une vie qui est consacrée, d'une personne est consacrée au Seigneur. Nous prenons soin du Seigneur, des besoins du Seigneur, des affaires du Seigneur. Nous faisons sa volonté et il prend soin de nous. Tout cela, c'est pour la conclusion de son plan afin que son gouvernement soit établi sur la terre. Nous rendons grâce à Dieu. Nous, nous, désirons, que vous, nous désirons que vous soyez sous l'autorité de Dieu que vous exerciez votre fonction comme celle sur la terre. Après, notre frère va continuer à nous aider dans cette parole, car notre fonction ne s'arrête pas là. Il y a encore bien d'autres choses. Jésus est le Seigneur.